Je m'appelle Emmanuel Ayache et mon métier, c'est de former des instructeurs de Krav Maga. Je suis spécialiste en formation d'instructeurs. Je suis l'auteur du livre « Défendez-vous » qui a été best-seller sur Amazon à plusieurs reprises dans plusieurs catégories. C'est un livre qui est extrêmement important pour tous les pratiquants. Peu importe qu'on soit karaté, aïkido, judo, tout le monde, c'est la même famille. Là, on parle de self-défense. Et encore plus large que le Krav Maga, je parle de comment agir tactiquement, techniquement, physiquement et mentalement pour se préparer à un combat de rue. J'ai décidé d'offrir à tous les abonnés de la chaîne Karaté Bushido la version numérique du livre. Si vous voulez accéder à la version numérique, vous allez sur défendez-vous.com, défendez-vous, tout attaché, sans accent.com et vous pouvez avoir accès pendant un certain temps à la version numérique du livre Défendez-vous ainsi que plusieurs bonus en vidéo. En fait, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et j'ai commencé simplement par le karaté, le judo, enfin ce qu'on fait faire aux enfants, jusqu'à l'âge de 13 ans où je me suis fait agresser dans la rue. J'étais avec mon grand frère et un ami à nous et on s'est fait agresser, ça s'est très mal passé. Et là, ça a un peu remis en cause toutes mes croyances où je me suis dit mais ce que j'ai appris, ça marche pas. Et j'ai commencé donc à l'âge de 13-14 ans à me dire, il faut que je trouve quelque chose d'efficace, il faut que je trouve quelque chose qui puisse répondre à mon besoin. Et mon besoin, c'était quoi? Me sentir en sécurité et apprendre à me défendre dans la rue. Et à l'âge de 14-15 ans, je participe à mon premier cours de Krav Maga. Et là, c'est la vraie révélation. En fait, il y avait tout ce que je cherchais dedans. Il y avait la partie, évidemment, combat, il y avait la partie gestion du stress, il y avait la partie tactique, comment réagir face à diverses situations. Et il y a vraiment eu, on va dire, un premier déclic où je suis tombé fou amoureux de ce sport, de ce système de combat. Et ça, c'était à Paris. Et j'ai tellement aimé le Krav Maga que quand j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'immigrer en Israël, puisque le Krav Maga est le système officiel de l'armée israélienne. Et j'ai décidé de m'engager dans l'armée israélienne. Et au début, j'étais soldat dans les unités combattantes. Et un jour, on nous présente quelqu'un qui va nous donner un cours de Krav Maga. Et là, pour la première fois de ma vie, donc on est en 2000, je vois quelqu'un qui a un cours hyper carré, hyper structuré. Je me renseigne un petit peu, il y a une vraie formation derrière ça. Parce qu'avant, dans les années 95-97 en France, c'était peu connu, il y avait peu d'informations. Et je vais voir l'instructeur et à partir de ce moment-là, j'ai dit, il faut que je devienne instructeur de Krav Maga dans l'armée. J'ai tout fait pour, j'ai été envoyé à la formation instructeur à Wingate par mes commandants. Et j'ai pu avoir la chance d'enseigner à l'armée israélienne en tant qu'instructeur de Krav Maga. J'ai travaillé avec des unités combattantes et j'ai travaillé avec certaines des unités les plus prestigieuses de l'armée israélienne pour la période des classes, c'est-à-dire les 6 premiers mois d'armée de toutes les unités. Après mon service militaire, je décide de retourner en France et à partir du moment où je retourne en France, je continue ce que je sais faire, ça veut dire je forme des gens au Krav Maga, donc je suis passé évidemment des militaires aux civils et très rapidement, je commence à former mes premiers instructeurs de Krav Maga, à organiser des formations instructeurs et à ouvrir des écoles un petit peu partout en France. Donc aujourd'hui, je partage ma vie entre des déplacements à l'international pour faire des séminaires et former des instructeurs et surtout le développement de la France où on est à peu près une cinquantaine de clubs et une centaine d'instructeurs KMG France, Krav Maga Global France, sur tout le territoire. Et ce que je fais également, c'est écrire des livres, notamment le livre « Défendez-vous » qui a été best-seller sur Amazon et qui a été vraiment bien reçu par la communauté. Et notamment la création de cours en ligne et bien évidemment aussi des stages tout au long de l'année. Pour devenir instructeur de Krav Maga, il faut déjà avoir une base en sport de combat. Alors aujourd'hui, on peut avoir une base de 3-4 années système à percussion comme la boxe thaï, boxe anglaise, karaté kyokushin, etc. Ou alors évidemment le Krav Maga. Et à partir du moment où le niveau technique est correct, on peut intégrer la formation. Mais c'est pas tout. Il faut aussi avoir une très grande envie de transmettre, une très grande envie de former des gens, d'aider les autres à apprendre à se défendre, d'aider les autres à pouvoir développer leur confiance en eux et leur mental. Et enfin, le troisième critère, c'est des bonnes capacités en entrepreneuriat et développement d'une école. Parce qu'on peut être un très bon pédagogue, on peut être un très bon technicien, si on ne sait pas monter son club et si on ne sait pas le développer, ou en tout cas si on n'en a pas envie, ça va servir à rien.
Et la formation instructeur, elle s'articule sur deux modules de 12 jours, donc c'est assez intense. C'est une formation qui est complète où on va travailler sur les trois piliers principaux de la formation. Donc le premier pilier, ça va être le pilier technique. On va s'assurer que les gens ont le niveau technique et maîtrisent toutes les techniques du Krav Maga. Et là, comparativement à un pratiquant qui doit simplement reproduire le mouvement technique, bah, on demande à un enseignant de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Ça veut dire pourquoi est-ce que la main est positionnée de cette façon, pourquoi est-ce que le poing est fermé de cette façon sur chaque technique. Donc on va vraiment très très loin dans la technique. On travaille aussi le deuxième pilier qui est le pilier pédagogique où le but c'est de savoir construire un cours et encadrer un cours avec les meilleures capacités et bien sûr en toute sécurité pour le pratiquant. Et en pédagogie, on insiste énormément sur tout ce qui est communication, puisqu'un bon professeur, c'est un bon communicant, et il doit faire en sorte d'améliorer les capacités de son élève. Donc, voir comment est-ce qu'on transmet un message, voir comment est-ce qu'il est reçu, voir comment faire pour parler avec les différents types d'élèves, parce qu'il y a des élèves qui sont plus auditifs, des élèves qui sont plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus visuels, pour pouvoir maximiser le transfert de l'information et être sûr que l'élève progresse correctement. Et le troisième pilier, c'est la gestion d'une école et le développement de l'école où pendant cette formation instructeur, on va travailler sur comment monter son club, comment se rémunérer, comment faire de la publicité, comment attirer des nouveaux élèves, comment conserver aussi ses anciens élèves parce que parfois, il y a des clubs qui viennent me voir où il y a un très gros turnover d'élèves et ils ont du mal à conserver les anciens. Et ben, on apprend à la formation instructeur toutes les techniques qui permettent de conserver ses élèves. Donc, c'est une formidable aventure humaine. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très intense, qui permet vraiment de se développer mentalement, physiquement et qui permet d'intégrer une vraie famille, puisque une fois que les gens intègrent KMG France, le but c'est de travailler avec eux sur le long terme, de travailler 5 ans, 10 ans, 15 ans ensemble. Et comme on travaille sur le long terme, une fois que les gens obtiennent le diplôme instructeur KMG France, ils ont accès à tout ce qui est réservé aux instructeurs. Et la première chose, c'est les mises à jour instructeurs, c'est-à-dire que régulièrement dans l'année, je vois mes instructeurs pour des stages intensifs de 3 jours. Où je leur apporte d'autres techniques, d'autres méthodes. On va un peu plus loin sur la pédagogie. Je réponds aux besoins spécifiques de chaque école et on peut comme ça améliorer le niveau des écoles. Il y a aussi la possibilité d'aller faire des stages de spécialisation puisqu'il y a certains instructeurs, la formation de base, c'est une formation générale. Et d'autres instructeurs veulent aller enseigner aux enfants, veulent se spécialiser pour le public féminin ou alors veulent même aller travailler pour le milieu professionnel comme l'armée ou la police. Et bien, une fois qu'on est instructeur chez KMG France, on a accès à toutes ces formations complémentaires. Il y a bien sûr aussi un lien qui se crée tout au long de l'année puisque j'organise très régulièrement des webinaires uniquement pour mes instructeurs, encore une fois pour continuer à les former, pour continuer à les suivre et continuer à les aider à développer leur club et à atteindre leur succès. Ma cible lorsque on ouvre un club KMG dans une zone, c'est d'atteindre très très rapidement les 100 premiers adhérents pour que le club puisse être vraiment légitime sur la région et pouvoir représenter le Krav Maga et la self-défense et aller aider le maximum de gens pour pouvoir apprendre à se défendre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces informations avec vous. Et si vous pensez que vous avez les valeurs pour devenir instructeur de Krav Maga, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, si vous avez envie d'ouvrir un club KMG France, vous pouvez déposer votre candidature. On parlera ensemble au téléphone pendant une session stratégique téléphonique. Vous avez le lien sous la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, choisir le jour qui vous convient et ce sera un réel plaisir pour moi de vous aider à vous développer, à vous former et à devenir instructeur de Krav Maga.